le gouverneur de la région de Sédour, monsieur le maire de la commune de Sédour, monsieur le maire de la commune de Bambali, monsieur le chef de village de Bambali, chère population de Bambali, tous. Monsieur le médecin chef de la région de Sédour, bien sûr distingué invité, bonjour à vous tous. Merci d'être venu, merci d'accepter cette invitation. Mes chers compatriotes, c'est avec une joie incommensurable que je me trouve parmi vous ce matin. Ma fierté est grande d'être ici à Bambali pour inaugurer cet hôpital acquis grâce à vous et pour vous. Il ne faut jamais oublier ses origines, au contraire, faisons en sorte que chacun d'entre nous puisse apporter sa pièce à l'édifice pour bâtir un Sénégal rayonnant et prospère. C'est ce qui motive mes actions pour Bambali, mon village, qui m'a vu naître et grandir. C'est aussi le moment de remercier toute ma famille, particulièrement mon oncle, Sana Touré, là, Ibrahim Touré, mon père Taïwamane, bien sûr, et tout le monde. Et c'est aussi le moment de remercier toute ma famille, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que comme le disait l'autre, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Par ailleurs, sachez que cet hôpital est pour toute la population du Bouté, toute la région de Sédour, j'allais dire tout le Sénégal. D'ailleurs, les techniciens du département de la santé ne vont pas tarder à prendre le relais pour assurer le suivi afin d'offrir un service adéquat en grand bonheur des patients et toute la population. Chers compatriotes, je vous informe aussi de la pose de la première pierre d'une station d'essence à Bambali dans les prochaines semaines grâce au concours de... Une autre action qui rentre dans le cadre du développement de notre localité, parce que le rêve est permis et il faut rêver toujours, comme j'ai l'habitude de dire. C'est un proverbe pour moi. Le rêve est permis de tout un chacun. Mais ne perdons pas jamais de vue qu'en travaillant encore et encore que nous allons réaliser ce rêve. Je ne saurais terminer sans remercier personnellement mes partenaires qui ont accepté de m'accompagner, notamment Air Sénégal International, la Casama 16, Oumu Group, je sais que vous êtes là-bas, bien sûr. La Poste aussi, qui est le monsieur le ministre Abdoulaye Badé, avec ses délégations, bien sûr. Et merci. Okay. Monsieur l'adjoint au préfet du département de Sédour, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Djiredji, monsieur le chef de village, monsieur l'imam Ratib, monsieur le médecin-chef de région, et j'en profite également pour citer, ils ont été déjà cités, l'ensemble des chefs de service au niveau régional, tout comme départemental. Madame le chef de poste de santé de Bambali, cher donateur Sadio Mané, nous sommes là aujourd'hui pour procéder à l'inauguration de cette belle infrastructure. Et pour cela, d'abord, je vous apporte les remerciements de l'État du Sénégal avec à sa tête M. le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Les remerciements également du ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Action sociale, le ministre de la Santé, qui m'a instruit de venir vous accompagner à cette cérémonie. Donc, pour dire combien nous sommes fiers d'être là avec vous aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas une première fois que vous faites don de soi en réalisant des infrastructures au niveau de Bambali. Je m'en veux pour preuve le lycée et d'autres réalisations encore. Vous, vous avez en tout cas transmis ou bien vous avez montré une belle illustration du don de soi pour la communauté et non du don de la communauté pour soi. Nous vous en remercions grandement. Les remerciements vont également au personnel de la santé qui ont été présents au plus fort moment de lutte contre la COVID-19 dans la région de Sédour.
et à leur tête le médecin-chef de région. Et je confonds à ces remerciements tout le personnel de la santé qui ont su être présents. Voilà, pour dire que également, cette belle infrastructure que nous avons inaugurée aujourd'hui, n'est-ce pas, pour sa fonctionnalité réelle, a besoin que nous puissions poser d'autres jalons. L'engagement a été pris au niveau de l'État du Sénégal pour accompagner, n'est-ce pas, pour en tout cas poser les jalons, n'est-ce pas, pour que, le médecin-chef l'a dit, au prochain voyage de Sadio Mané, je dis que ça peut être loin, mais en tout cas les mois à venir vont nous permettre de venir ici pour constater de visu que l'hôpital est en train de fonctionner et de bien fonctionner au grand bonheur des populations, pas de Bambali seulement, mais de tout le budget.